Salut les gars, je suis ravi de vous retrouver pour une courte vidéo aujourd'hui. Il n'y aura pas de tablature et rien du tout. Je travaille sur des trucs, soyez patients. Donc je voulais vous montrer un moyen hyper classe de finir une petite balade hendrixienne en fait. Donc avant de vous parler de la technique des ARP Harmonix, de comment moi je l'ai adapté à mon jeu et de comment je vous conseillerais de faire, je vous parle vite fait du contexte harmonique. Je me suis basé en fait en si bémol majeur, comme si je faisais une petite balade quoi. Si bémol, mi bémol, sol mineur, retour au mi bémol. Après, j'ai tourné un peu autour des accords, donc je détaille vite fait, mais petit double stop, ok, avec le sus 2 là, et j'arrive sur le mi bémol grâce à ça. Donc après, croche pointé double, ok, un petit peu de swing un peu là-dedans quoi, de groove quoi. Donc là je vais chercher tout simplement truc très hendrixien en fait, hein, 9e vers la tierce, puis dans la penta quoi. Après je plante le sol et là je vais aller chercher la 9e blue note, appoggiature, pull off. Et sur le mi bémol, au lieu de jouer normal, je vais faire un maj 9, enfin 6-9, avec une appoggiature un peu là. Ok, donc vite fait, juste à partir du sol là. Bon, rien que ça déjà, c'est super chouette. Et pour finir, au lieu de finir comme ça, je vais finir avec un accord 6-9. Donc, si bémol, 6-9. Les cases, 6, 5, 5, 5, 6, 6. Mais au lieu de le finir comme ça, je vais faire en ARP Harmonix. Et je vais faire ça, en fait. Putain, je l'ai bien réussi ce coup-là. Putain, je suis trop content. Comment je fais? Donc déjà, en fait, les ARP Harmonix, j'ai rien inventé. Hein. Regardez Tommy Emmanuel, Eric Johnson, qui font ça très très bien. Donc, d'un petit truc technique, si vous souhaitez le faire au médiator, prenez votre médiator sur le majeur et non plus sur l'index. Moi, j'y arrive pas encore, donc je préfère le jouer au doigt pour l'instant. J'y arrive, mais il faut vraiment que ce soit très précis, très lent. Enfin, de toute façon, vous allez voir, c'est vraiment pas évident comme technique. Mais en quoi ça consiste? Ça consiste en fait à reproduire l'accord qu'on est en train de faire un octave au-dessus avec des harmoniques artificielles. Donc, le doigté que moi j'utilise, c'est l'index pour faire les harmoniques, pardon, avec le pouce, quoi. Et après, les autres doigts pour faire des arpèges réguliers, quoi, normaux. Ok, donc ça fait ça en fait. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je commence par corde de La et Ré en arpège normal. Et tout de suite, je fais une harmonique artificielle. Donc, en fait, j'utilise le pouce. Est-ce que je peux faire ça avec le micro en même temps? C'est pas facile, mais... Vous voyez? C'est pas juste la note. C'est la note plus son harmonique, quoi. Donc, je reproduis l'accord, en fait, 12 cases plus loin que 6, 5, 5, 5, 6, 6, quoi. Donc je vais pas vous dire le numéro des cases, vous chercherez quoi. Et c'est pas toujours évident de le faire bien quoi. Deux cordes en arpège, une harmonique artificielle. À partir de là, on saute deux cordes et on arrive au sol. Donc ça fait harmonique artificielle sur la corde de La, si elle veut bien sortir. Saute deux cordes, harmonique artificielle, corde de Ré, saute deux cordes, ok, donc pas facile à expliquer à faire en même temps, mais ok, donc je reprends un peu ça, arpèges normaux sur corde de La et Ré, harmonique artificielle, corde de Mi grave, je saute deux cordes, harmonique artificielle, corde de La, saute deux cordes,
Ok. Harmonique artificielle, corde de ré. Arpège normal sur corde de mi en sautant deux cordes. Et après, on finit par deux harmoniques artificielles. Ok, donc. C'est pas facile, hein. Je l'ai pas mal pratiqué et je commence à l'avoir, mais vous voyez, c'est à faire comme ça à la demande, c'est pas si facile. Mais c'est vraiment chouette à faire, je trouve, avec une petite réverb. Vous pouvez le faire aussi avec un son un peu plus aigu, un peu plus comme Eric Johnson. Ça donne un côté un peu koto japonais. Donc comme ça. Moi, j'aime bien cette position-là. Mais... Donc, comment on peut faire ça ? Ben, on rajoute ça dans, finalement, à la fin de notre petite progression, là. D'accord, qui était en 6B, là. Donc, 3, 4... Une fois. Ouh, elle est pas bien sortie celle-là. Voilà, c'est la dernière, des fois elle est pas évidente, mais. Faut être bien en face de la frette, hein, pour que ça marche. Voilà, là c'est pas mal. Encore à le travailler, mais en tout cas, essayez ça chez vous, ça va être cool, quoi. À bientôt pour un nouveau petit tricks, peut-être. Et puis, merci à tous ceux qui ont commenté la dernière vidéo et qui se sont abonnés. Ciao, à bientôt.